Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve vraiment pour une grosse info, une grosse exclue que j'ai trouvé moi-même. Donc ça concerne les nouveaux appartements, donc je tiens à préciser que cela n'est qu'une hypothèse. Je vais vous la soumettre juste après. Vous allez me dire dans l'espace commentaire si vous pensez que cela peut être vrai. Moi je pense qu'à 98% j'ai raison, mais cela se peut que j'ai tort. Donc je dis pas que cela va arriver dans le prochain et la prochaine mise à jour, mais ça va arriver très rapidement. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc je tiens à préciser que c'est moi qui ai trouvé ça, donc c'est pour ça que j'ai mis exclu. Donc il n'y a aucun américain ou aucun français qui n'a pu faire ça, qui n'a pu faire ce genre de vidéo. Donc je n'ai pas trouvé en tout cas. Et du coup, avant de commencer, je veux tout simplement vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook, ma page Facebook et mon Twitter. Donc tous les liens se trouveront dans la description. Et pourquoi pas vous abonner aussi à la chaîne 100% course qui se trouvera dans la description et en annotation. Donc pour commencer cette explication, je vais tout simplement me rendre devant l'appart à 400 000 comme vous le voyez actuellement. Vous n'avez sûrement pas vous n'êtes sûrement pas rendu compte, donc je tiens à préciser que j'avais posté des photos comme celle-ci sur Twitter et Facebook. Donc comme vous voyez, sur l'appartement à 400 000, il y a écrit en haut 5601, parking 5601, avec une porte de garage très particulière. Donc juste à côté se trouve tout simplement l'appartement à 400 000 ou à l'appartement à 500 000. Maintenant je vais vous montrer des choses qui peuvent se révéler vraies. Donc là vous vous dites qu'il y a des portes quasiment similaires, mais ça ne peut pas être l'entrée d'un appartement ou d'un garage. En tout cas, vous le voyez très très bien. Mais vous allez tout simplement, je vais me rendre à cet endroit-là. Et vous pouvez apercevoir qu'il y a écrit exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire 5601 parking avec exactement la même, le même style de garage avec des flèches qui pointent vers le haut. Donc, l'entrée du garage. Donc, on peut penser qu'il y aura tout simplement un appartement ou des appartements dans cet appartement là qui se trouve juste à côté et à proximité de l'appart à 400 000. Ce n'est pas là, je vais vous en montrer énormément, il y en a beaucoup d'autres. Donc vous voyez très bien cet appartement qui a l'air vraiment stylé et on retrouve exactement la même structure à cet endroit là. Donc 5601, parking 5601, et ça peut très bien être l'entrée d'un parking ou d'un garage. Et juste ici encore une fois on retrouve exactement la même chose. Donc 5601 parking 5601 avec la même structure encore une fois, et tout simplement un très bel appartement qui m'a l'air d'être en construction. Il y a énormément de portes comme celle-ci sur GTA 5 online que vous pourrez trouver n'importe où, donc ils peuvent annoncer des futurs appartements. Donc je ne dis pas que cela est sûr. Donc je vais vous montrer une autre qui se trouve juste ici, donc elle n'a rien à voir avec l'appartement qui se situe derrière, étant donné que le garage se situe tout simplement derrière. Et il y a énormément de portes comme celle-ci. Du coup je sais pas ce que vous pouvez en penser. La porte pour entrer dans ce garage là est juste ici, donc derrière peut-être un nouvel appartement à voir. Il y a énormément de portes comme celle-ci, je vais vous en montrer d'autres. Je sais vraiment pas ce que vous en pensez. Moi c'est une déduction que je fais et je pense qu'à 98% je vais avoir raison, tout simplement parce que c'est exactement la même structure et toutes les portes de garage sont exactement de la même façon. Vous pouvez très bien voir d'autres portes de garage comme celle-ci, regardez qui ne sont pas bien faites et qui ne veulent pas dire qu'il va y avoir un garage ici. Vous voyez bien le style que Rockstar a mis sur les portes de garage où il va y avoir, où il y a 98%, je pense qu'il y a énormément de chances qu'il y ait des appartements à ces endroits là. Après, je vous ai dit, c'est que des déductions, donnez-moi vos avis dans l'espace commentaire. J'avais posté ça sur Facebook, ils m'avaient dit que j'avais raison. Mais ils avaient dit que mon raisonnement était logique. Moi, je suis quelqu'un de très logique dans la vie. Voilà, je cherche pas la merde, je suis très très logique. Donc du coup, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, je ne fais pas des vidéos infos, etc. Mais là, c'est un truc que j'ai trouvé moi-même. Et ce n'est que des hypothèses et que des déductions. Donc du coup, voilà. Voilà. Donc il y a aussi ces deux portes d'appartement qui m'intriguent énormément. Donc avec un appartement qui se situe juste ici. Donc les deux portes, une vers le haut et une vers le bas.
deux entrées de garage très différentes, une pour entrer, une pour sortir, le même style de porte, mais il n'y a pas écrit parking dessus. Peut-être que le truc du parking n'est que sur les appartements qui se trouvent près de l'appart à 400 000, et cela, bah, c'est des appartements extérieurs, je sais pas, c'est que des raisonnements logiques que je donne. Après, je sais pas vraiment ce que vous en pensez, donc donnez-moi tous vos avis dans l'espace commentaire. Voilà, c'était juste pour vous informer de ça. Petite info qui peut être vraiment très importante et très révélatrice pour les prochains DLC. Moi, je vous laisse bah, me donner tous vos raisonnements dans l'espace commentaire et à me donner vos avis si j'ai tort ou si j'ai raison ou autre chose. Je vous invite à lâcher un petit like et à partager sur Facebook et Twitter afin que vos amis puissent voir un maximum des images. Moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde.